Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Nous allons parler des 3 prochains combattants qui vont arriver sur le jeu Dragon Ball Legends, alias le trio du danger. Bergamo, Lavenda et Basil. Alors pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, qui ne connaissent pas assez bien l'univers de Dragon Ball Super, eh bien justement, ils étaient présents dans cette série lors du tournoi du pouvoir et ils venaient de l'univers numéro 9. Ils avaient pas mal de techniques, comme par exemple masquer leur ki. Donc voilà, ils ont été leakés, il y a de ça quelques semaines, dans le V-Jump et du coup, ils devraient arriver logiquement ce mercredi. Alors attention, on prend des pincettes, mais normalement, d'ici 2 jours, donc mercredi, le trio du danger devrait arriver. Juste avant cela, je tiens à préciser une chose, et à tenir parole, je vous avais dit, pour tous ceux et celles qui sont sponsors, eh bien tous les mois, il y aura un tirage au sort pour faire gagner des lots. Eh bien, ça va être chose faite. Les sponsors, c'est le même principe que les subs sur Twitch, sauf que là, c'est sur YouTube. Eh bien, regardez, j'ai des cartes Dragon Ball. Alors attention, c'est pas des simples cartes, les amis. C'est pas des cartes que aujourd'hui tu peux trouver dans le commerce. Celles-ci, elles sont collector. Elles ont plus de 10 ans et elles sont encore sous emballage. Elles n'ont jamais été déballées. Donc autant vous dire que ces cartes-là ont une grande valeur. Et c'est pas tout. Regardez ce que j'ai réussi à dégoter. Et bien du coup, quand on parle de cartes, on va continuer. J'ai des gros decks pareils. Ils ont plus de 10 ans. Ils sont emballés encore sous blister. Regardez ça. Regardez ça, les amis. Emballés sous blister. Donc voilà. Déjà, il va y avoir 2 gagnants qui vont récupérer un deck de cartes. Je crois qu'il y a combien, 128 cartes dans chaque deck. Donc en gros, tu as 128 cartes dans chaque deck Dragon Ball. Donc voilà, pour tous ceux et celles qui sont sponsors, je vous l'avais promis, il y a de ça un mois, que voilà, tous les mois, il y allait avoir 1 ou 2 gagnants en fonction de ce que je pouvais recevoir qui allait remporter des lots. Eh bien, aujourd'hui, c'est Fortnite DVE et MigBef59 qui remportent ces cartes. Vous allez avoir ces cartes-là. Voilà, merci à vous les amis. Pour tous ceux et celles qui sont également sponsors et qui malheureusement n'ont pas encore gagné, ne vous inquiétez pas, le mois prochain, il y aura encore un nouveau tirage au sort. Et qui sait, peut-être il y aura plus de gagnants au fur et à mesure. Donc voilà, je suis super content voilà, de vous faire gagner ça. Merci du soutien que vous pouvez m'apporter au quotidien. Ça fait vraiment super plaisir. Donc si derrière, vous pouvez avoir des cartes comme celle-ci que vous ne pouvez plus trouver dans le commerce, qui aujourd'hui ont une très grande valeur parce qu'en plus, elles sont encore sous blister, eh bien pour moi, je suis content de vous faire plaisir. Encore bravo aux 2 gagnants et n'hésitez pas à me contacter en privé sur Twitter ou Discord pour que je puisse vous envoyer vos cadeaux. Vous m'échangerez vos coordonnées et pour que je sache qu'il s'agit bien de vous, vous m'enverrez une preuve comme quoi vous êtes bien sponsor à ma chaîne. Et pour ceux et celles qui ne sont pas sponsor à la chaîne mais qui ont envie de le devenir afin d'avoir la chance de gagner ce genre de lot, ou peut-être que la prochaine fois ce sera des figurines, des jeux vidéo, bref, je ne sais pas, je vais essayer de faire le maximum pour la communauté, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton abonner, tu rejoins, tu deviens sponsor et vas-y, go, on essaiera de te faire gagner des lots. En tout cas, merci à tous du soutien que vous m'apportez au quotidien sur la chaîne YouTube. On a déjà dépassé les 75 000 abonnés, c'est énorme. Merci à vous. Allez, on repasse au sujet de la vidéo avec le fameux trio du danger qui va arriver sur Dragon Ball Legends. Regardez le tweet, ça avait été tweeté de la part de DBS Hype qui nous lit que souvent les pages du V-Jump. Eh bien, là pour le coup, on a vu une page plutôt intéressante où on voyait le fameux trio du danger avec encore une fois, comme j'ai pu vous le dire, Bergamo, Lavenda et Basil. Alors on va zoomer un petit peu, voilà, qu'on puisse apercevoir un peu mieux les artworks. Donc voilà, ça avait été leaké. On n'en sait pas encore plus au niveau de leurs attaques, hormis que voilà, ici, là, juste là, voilà, hop, je zoome. On voit que les persos ont l'air assez équilibrés. Je pense que ça va être des persos super forts. Je pense honnêtement qu'ils vont être super forts. Ça reste des persos qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que
pour tous ceux et celles qui connaissent Dragon Ball, qui sont de ma génération, on a connu Dragon Ball, Dragon Ball Z, et ensuite il y a eu Dragon Ball GT, qui aujourd'hui n'est pas canon, et par la suite de ça, on a eu Dragon Ball Super, qui lui est canon, car ça a été dit de la part de l'auteur Akira Toriyama. Eh bien, il y a eu ce genre de clébards, hein. Moi je les appelle les clébards, les gars, ils étaient arrivés dans le tournoi du pouvoir. Alors, moi, personnellement, si vous voulez mon avis, en toute honnêteté, je suis pas super hype par ce genre de perso. En revanche, je sais que certains et certaines d'entre vous, tout comme petite mention à DB Story, qui est super fan de Dragon Ball Super avant même Dragon Ball Z, lui, il kiffe ce genre de perso. Alors en soi, c'est pas mal, voilà, d'avoir ce genre de perso qu'on n'a pas l'habitude de voir qui va débarquer dans le jeu Dragon Ball Legends. C'est sympa, ça va permettre également en PvP de voir autre chose. Maintenant, il y a un petit truc qui me chiffonne, c'est ils vont débarquer tous les trois. Ça va être quoi, en gros, leur cap Z, la capacité Z des persos va être basée sur quoi? La couleur, un certain type, je ne sais pas. Est-ce que pour pouvoir les jouer, un seul suffira, ou il faudra absolument avoir les trois? Là aussi, des points d'interrogation, je me pose pas mal de questions là-dessus. Donc bon, on verra. Il y avait également voilà, une autre page qui nous montrait le Happy Weekend, comme quoi le Happy Weekend, voilà, ça continuait tout simplement. Là-haut, le logo Dragon Ball Legends. Là, on parle pas d'un magazine à l'arrache. Non, le V-Jump, ce sont des sources sérieuses et officielles. Voilà. Maintenant, quand est-ce que ça va sortir? Moi, j'ai envie de vous dire, logiquement, mercredi. Alors, est-ce que ça sera un UST? Je ne sais pas, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu d'UST sur le jeu. Est-ce que ce sera un Legend Rising? J'en sais rien non plus. On ne sait pas. Faut voir comment ça va arriver, comment les développeurs vont amener la chose sur le jeu. Est-ce que je vais invoquer? Honnêtement, je ne sais pas non plus. Maintenant, attention. Là, je pars du principe où... ils sont pas fous, Bandai Namco. Ils savent très bien que les trois clébards, le trio du danger, va pas hype majoritairement la communauté. Ça va hype certaines personnes qui ont envie de diversifier un petit peu les persos. Jouer des persos que tout le monde ne joue pas. Jouer des persos qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, ça va cibler une certaine catégorie de joueurs. Moi, pour le coup, quand je vois ça, je suis pas vraiment hype. Après, attention, là où j'ai peur... Et c'est là où ça risque de faire mal. Est-ce que dans les trois... Alors, je pense que voilà, une fois que tu as les trois, ils vont être super violents. Mais est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui serait LF, Legendary Finish? J'en sais rien. Mais pour, en gros, que les joueurs casquent leurs cristaux, tu vois, et qu'ils aillent payer, je sais pas, moi, personnellement, je suis pas hype. Après, voilà, si tu me dis que le perso, il est super crax et que derrière, il a un LF... Ah là, ça va peut-être me faire réfléchir à deux fois, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ou alors, ces persos vont arriver, et il va également y avoir un perso qu'on ne s'attend pas à arriver également dans le portail. Voilà, un petit peu comme on a eu le cas avec Black Goku Transfo. Black Goku Transfo, il a pas été annoncé, il est arrivé comme as, il a été teasé noir, rose, vous le savez, sur la fameuse vignette, on avait fait un live là-dessus, mais en gros... On ne savait pas vraiment à 100% s'il s'agissait de Black Goku Transfo, même si moi, dans le live, je vous avais dit à 99% de chance, ça va être Black Goku Transfo. Mais on n'avait pas vu de mécanique de combat ou quoi que ce soit, ça n'avait pas été indiqué également dans le V-Jump. Donc voilà, est-ce qu'il y a également un autre perso qui devrait arriver, qui est caché et pas indiqué dans le V-Jump, avec justement les fameux 3 clébards? Comme ça, du coup, ils te mettent les 3 clébards dans le portail. Tu as également un perso caché dans le portail, un gros perso, tu vois, même LF. Bah du coup, ça va t'inciter à payer tes cristaux dans ce portail où il y a le trio du danger. Je sais pas, dites-moi vous aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, pour le coup, je suis pas super hype par ces persos, comme j'ai pu vous le dire. Dites-moi vous aussi également si vous êtes hype ou non. Et puis voilà. Pourtant, j'ai des cristaux, hein. J'ai des cristaux. Je vais vous montrer quand même. J'ai bientôt 10 000 cristaux. Tu vois, je suis pas en déj de cristaux. Là, clairement, je pourrais invoquer. Mais, il y a le Black Friday qui arrive. Donc, attention. Je me dis, attention. Mais, admettons, si demain, on me sort avec le trio du danger, un Kamehameha Sparkling du tournoi du pouvoir, parce que là, il y a eu la collaboration avec Dragon Ball Fighters, les cristaux, là, tu vois, ça, ils y passent. Ah bah, clairement, tu me sors un Kamehameha Sparkling, voilà, ça y passe.
ou un autre gros perso, je ne sais pas, j'ai dit qu'à Messénine, comme ça. On en saura plus demain, je pense qu'on fera peut-être un live ou une autre vidéo, voilà, pour parler justement de ces persos, s'ils sont annoncés pour mercredi. Donc logiquement, si c'est pour mercredi, demain on est mardi, on devrait avoir des infos. Après, des fois, ça arrive qu'ils ne nous sortent pas d'infos et que le mercredi, boum, les persos débarquent. Ça, c'est possible aussi. Tiens, je vais en profiter. Petit bonus, invocation dans cette vidéo. On va peut-être faire la single, là, de Goten et Trunks. J'ai jamais eu encore le Goten. J'aimerais bien avoir le Goten. Pourquoi j'ai pas eu le Goten, moi? Il y a également Trunks. Trunks, par contre, je l'ai déjà eu. Trois capsules, Namek en feu. Pas terrible, terrible. Pas terrible, terrible. Il y a eu un téléchargement, mais... Téléchargement... Ça ne veut plus dire grand chose pour l'instant, c'est de l'EX. De l'EX sur la single. Et voilà, ça va être de l'extrême. Extrême. Ok, Trunks jeune. Très bien. Ok, donc vous voyez, j'ai eu un téléchargement. Un téléchargement. Hein. Pour ceux et celles qui disent, non, ça spoil le téléchargement. Regarde par toi-même. Tu as eu le téléchargement. Trunks, il n'est même pas passé au-dessus en étoile. C'était même pas un nouveau perso, etc. Téléchargement, ça ne veut plus rien dire, les amis. Allez, je continue vite fait. Je crois qu'il y a encore la Happy Weekend. La Happy Weekend qui est. D'ailleurs, hier, j'ai eu le Végéto LF. Pour tous ceux et celles qui me suivent sur Twitter, je vous l'ai mis. Végéto LF qui est passé 6 étoiles. Ça fait plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui, on va encore avoir un petit peu de chance? On va voir. Téléchargement encore. Mais bon, encore une fois, je vous l'ai dit, ça ne veut rien dire. Par contre, 3 capsules. On est dans les montagnes. Il y a du SCJ. C'est plutôt pas mal quand même. Eh, c'est plutôt pas mal. Invocation qui n'était pas prévue dans la vidéo, hein, je tiens à vous le dire. Mais je me suis dit, vas-y, autant en profiter. Ok, pour l'instant, c'est extrême garantie. Extrême garantie. Oula. Ok. Oh, Ryuken, c'est lui que je veux, moi. Je le veux en Sparking, Ryuken. Legendary Finish. Allez, au Black Friday, on y croit. Allez, ça va être qui? Boum. 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 Allez, mange. Oh là 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 là. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Voilà, là je dis oui. Et là, je suis d'accord, les gars. Et j'ai eu 2 LF en 2 tirages invocations successifs. Hier, j'ai eu le Végéto violet LF. Et aujourd'hui, j'ai eu le Goku SSJ 3 LF. Incroyable. Et franchement, ça fait plaisir. Hein. Ça, les gars, ça fait vraiment plaisir. Du coup, bah tiens, hop, le Sparking garanti là-dessus. Voilà, c'est du bonus dans la vidéo, les amis. Je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais vraiment pas encore aujourd'hui à avoir un autre LF. Hein. Bon, là, on peut passer parce qu'on sait que c'est Sparking garanti. Ok, alors toi, par contre, t'es pas la bienvenue, tu vois. Toi, t'es pas vraiment la bienvenue, hein. Allez, 8 étoiles, ok, bon, on va pas se plaindre, le mec, il a chopé, voilà, encore un LF, donc vous voyez, Happy Weekend, les gars, sans cristaux, bah, c'est rentable. Max 2 pouces bleus sur cette vidéo, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, ça fait toujours plaisir, abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puis bah, les gars, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!